Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Quel titre ! Mais il est bien à propos, le catéchisme du bon citoyen durant et après les élections. Alors, je voudrais d'abord passer la parole à M. l'abbé pour qu'il nous explique un peu ce que ça veut dire le catéchisme. Certains diront c'est très mot boutiste puisque on avait aussi un catéchisme, mais moi je l'ai pris au plan religieux. Monsieur l'abbé, c'est quoi le catéchisme? Très brièvement. Mais le catéchisme, c'est un livre qui contient les normes, les règles, quelque peu aussi la doctrine de l'Église, dans l'Église catholique. Mais il n'y a pas que à l'époque de Mobutu, on a parlé du catéchisme. Mais quand vous vous référez à l'histoire, vous verrez que chez les marxistes communistes, il y avait aussi un catéchisme, n'est-ce pas? Il y avait aussi un catéchisme. D'accord. De moi, Lénine, ça me suffit. Ou de je ne sais trop qui encore. Là. Bah, bref. En Libye aussi, il y avait un catéchisme. Le livre vert. Le livre vert ou le livre rouge. Oui, oui. Chez les uns et les autres. D'accord. Mais catéchisme, c'est là où on trouve la doctrine, ce qu'on doit savoir et ce qu'on doit savoir faire. D'accord. Professeur Mpoy Kamulai. Merci, aujourd'hui vous ne m'avez pas dit bonjour. Bonjour. Vous voyez. Ben écoutez, c'est vrai. Merci d'avoir corrigé. Comment allez-vous? Ça va très bien. Okay, merci. C'est voilà. Quoi le catéchisme? Alors, le catéchisme. Pour revenir à notre émission. Alors, bon, le catéchisme, monsieur l'abbé en a donné la définition. Évidemment, moi je ne suis pas abbé, comme vous le savez parfaitement. Le catéchisme, il a parlé d'un écrit. Mmh. Voilà. Moi, je me souviens que mon grand-père a été catéchiste. Et à l'époque, quand l'évangélisation s'est faite, ils ont appris tout ça. Et peut-être que le curé qui était là avait apporté l'écrit qui n'était pas à cette époque-là traduit déjà en Tchiluba. Donc le texte est bien, mais ce qui nous importe surtout en cette période électorale, c'est le référentiel. Les normes que nous devons connaître, que chaque citoyen doit se familiariser, avec lesquelles chaque citoyen devra se familiariser avant de se présenter à l'urne le 20 décembre de cette année. Donc, vous vouliez dire, en résumé, qu'il peut être écrit comme il peut être oral. Essentiellement. La transmission peut être écrite ou peut se faire par voie orale. Comme et d'ailleurs, quand je parlais de mon grand-père, j'ai perdu de vue que à l'époque du Christ, il n'y avait pas d'écrit. Les évangiles ont été accouchés longtemps après. Décidément, il devait être évêque, lui, avec ses références. Modeste Monigaba, quelque chose à ajouter peut-être? Le catéchisme. Ben, comme pour nous, il s'agit de dire aux citoyens, aux compatriotes, ce qu'ils doivent savoir pour bien élire. Mm-hmm. Parce que, finalement, le plus important, c'est cela. Ce n'est pas le fait de revendiquer le droit de vote qui compte. C'est surtout le devoir de bien élire. Parce que c'est là où chaque citoyen a effectivement le pouvoir de peser sur l'avenir de son pays. Très bien. Je vais vous avouer une chose. Je n'ai pas pensé à tout cela. Moi, je pensais au comportement des gens. Ben, c'est des moments où des passions sortent. Je voulais que ces passions-là soient un petit peu étouffer si nous pouvons faire quelque chose. Et je vais donner la parole à M. l'abbé. M. l'abbé, est-ce que... Ou M. Bonigaba, vous voulez déjà dire quelque chose? C'est vrai qu'il y a des passions sur le malade. Parce que justement, si oui. Tous les citoyens, oui. Malheureusement ce n'est pas le cas, avaient la conscience politique qui permette justement à ne pas se laisser guider par la passion.
par l'émotion, mais il y aurait moins de tension. Oui. Il y aurait moins de tension parce que chaque candidat viendrait avec la conviction qu'il doit convaincre et non chercher d'embarquer les gens comme on le fait nous les ressortissants d'eux, etc. Non, les citoyens doivent être capables de faire peur aux candidats qui ne sont pas à la hauteur. Très bien. Parce que malheureusement, chez nous, on n'est pas encore là. Monsieur l'abbé, c'est un moment spécial, hein, on a vécu les élections. Hein. Oui. Ce que vient de dire Modeste. Ben, je crois que dans le catéchisme, oui, il y a aussi ce qu'on appelle les 10 commandements. Dans le catéchisme, nous avons appris les 10 commandements de Dieu. Nous avons appris les 5 commandements de l'Église. Et je crois qu'on devrait avoir un catéchisme pour les élections où il y aurait aussi les 10 commandements d'un bon électeur, les 10 commandements d'un bon candidat. Pourquoi 10 devrait... Ça, bon, peut être 5. Ça peut être 10, c'est un chiffre que je prends en référence aux 10 commandements, au décalogue, voilà. À la table de Moïse. À la table de Moïse, au décalogue. Hein. Tout c'est à fait. Juste une référence à laquelle nous comme sommes habitués. Combien par Mais il faudrait que nous puissions dire, comme on le dit dans le catéchisme, ton vote, tu ne le vendras point. Mm-hmm. Un premier commandement, ton vote, tu ne le vendras point. Un deuxième commandement, on peut dire, eh bien, en âme et conscience, tu voteras. En âme et conscience. Et pas se laisser influencer par quoi que ce soit. En âme et conscience. Tu es seul devant le bulletin de vote et que tu vas déposer dans l'urne. Un troisième commandement. Les criminels, les voleurs, les tricheurs, et tu ne voteras point. Parce que dans les 10 commandements, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, hein, qui sont marquées dans les 10 commandements. N'est-ce pas? Quatrième. Un quatrième commandement, on peut dire, eh bien, tu ne te laisseras pas corrompre. Tu ne te laisseras pas corrompre, ni physiquement, ni moralement. Tu voteras en fonction du profil. Sixième commandement, tu voteras en fonction d'un profil, hein, des candidats. Qui correspond à un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-faire-faire. Oui, nous en sommes à 5, je ne voudrais pas que vous arriviez à 6. Voilà, pourquoi pas que, le 6e Complétez. Mais je vais laisser à l'abbé l'énumération. Mais je voudrais revenir un peu, et comme on aime beaucoup dire ici chez nous, rebondir sur ce que mon vieux frère vient de dire, les passions. Alors, si les chiffres qui sont maintenus du fichier électoral, on a enrôlé 42 millions de compatriotes. On réclame le nettoyage du fichier, ça fait déjà partie des commandements que l'abbé vient d'énumérer. Mais je nous dis que les passions se manifestent beaucoup plus en milieu urbain et essentiellement c'est le fait d'une extrême minorité de nos concitoyens qui s'agitent, qui crient, qui font n'importe quoi, pour faire basculer ou faire penser à l'opinion, et chez nous on aime beaucoup dire tant national qu'international, qu'il s'exprime au nom de tous les citoyens. Mais non, il n'y a pas de passion dans nos villages, dans les milieux ruraux, où se trouve la majorité
des électeurs. Mais parce que c'est clair, professeur, parce que là, on vote pour les, pour les siens. Tiens. Non, je ne dirais pas cela. Je n'en veux pour preuve que le fait que lorsque on proclame la vérité des urnes, comme les cardinaux précédents l'ont fait, à l'époque où on a parlé de la vérité des urnes, on disait que si la vérité des urnes était respectée, ce serait M. Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire qui avait été élu. Mais les gens de sa tribu ne constituent pas la majorité des électeurs. Et donc, de la conférence nationale. Non, je parle des élections. Les élections, nous avons eu les élections en 2006. 2011. Là, il n'était pas candidat. 2011. On a parlé déjà à cette époque-là, la contestation, on sait, même armée. Soyez bref. Oui, bah, on parle de passion. Oui. Et quand on parle de passion, souvent. Il faut être long. Il faut expliquer. Alors, largement. Et donc, en 2011. Étienne Tshisekedi Wamulumba était candidat. Ceux qui ont proclamé les résultats des urnes ont dit qu'il n'était pas le gagnant de cette élection. Mais la vérité des urnes qui avait été réclamée, selon la vérité des urnes qui était réclamée à l'époque, il devait être le vainqueur de ces élections-là. Il n'aurait pas pu l'être avec le vote tribal. En 2018, on a également parlé conclure en disant, ah oui, nous sommes pas encore en profondeur, la passion c'est dans les milieux urbains, elle est créée, entretenue par des politiciens, et c'est, je pense ici, le lieu de le dire, oui. Que cette problématique... Évidemment, on me dira peut-être que les profondeurs, il n'y a pas de télévision dans tous nos milieux ruraux, c'est un peu ça le malheur, mais il y a d'autres canaux à travers lesquels les concitoyens qui sont en milieu rural pourront bien et exerceront leur droit de vote selon les 5 commandements que M. Labbé vient d'énumérer. Très bien. Modeste, vous savez... Moi, je propose, on continue à parler des électeurs parce qu'on parlera aussi des candidats. Oui, oui, je voudrais encore dire un mot sur les électeurs. Très bien. Parce qu'il a montré que dans les milieux ruraux, c'est plus calme, il y a moins de passion, ce qui est vrai. Mais ça ne veut pas dire que là, les votes sont plus responsables et en âme et conscience, comme disait M. Labbé. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'électeurs dans nos villages, dans nos provinces, ne savent pas vraiment très bien à quoi ça sert. Parce que, je vais vous donner un exemple tout à fait vécu, hein, ce n'est pas le fruit de mon imagination. Ça, c'était en 77. Les premières élections pluralistes sous Mobutu, quand il a dit, bon, cette fois-ci, ce n'est pas le comité central ou le bureau politique qui va entériner les candidatures, mais le peuple lui-même choisit. Eh bien, là, il y a eu donc plusieurs candidats pour un poste, pour un siège. Et dans mon village, un monsieur vient, il venait de voter, il croise le Moami. Qui lui-même était candidat. Du moins, le fils du Moami était candidat, mais c'était déjà lui qui exerçait le pouvoir. Alors, il se vante et dit vraiment, Moami, moi j'ai bien voté. Ah bon? Comment vous avez fait? Il dit, non, mais ma voix à moi, je l'ai réservée à vous, le Moami. Ma voix, c'est vous. Mais ma première femme, elle, je lui ai dit, bon, tu votes pour le fils de l'ami, là, c'est mon ami aussi. Hein. Faut qu'il ait aussi sa part. Ma deuxième femme, à l'autre, là. Donc, vous voyez que moi, j'ai bien réparti.
Moi, même ma voix à moi, qui est prépondérante, elle est réservée à vous. Alors, évidemment, à ce moment-là, ce que les commandements dont on parlait ici partent en fumée, parce que ce n'est pas ça qu'on attend du bon électeur. Le bon électeur doit être celui qui regarde les candidats qui se présentent et qui dit, choisit le meilleur. Il choisit le meilleur au plan moral et éthique. Pas un voleur qui est venu. Lui, il avait beaucoup d'argent, il a distribué des pagnes, il a fait tout ça. Et les gens se sont dit, ah, moi je donne ma voix à celui-là. Parce qu'il n'a pas pesé l'importance de sa voix. Donc, le risque du choix juste, responsable et rationnel reste, demeure. C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. Donc, on va y aller, les gens vont voter, ils vont danser pour dire qu'ils ont bien voté comme ce papa là-bas, alors qu'en réalité, ils ont vendu encore une fois le pays à un autre Léopold II. Voilà. C'est ça le risque. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, moi je crois que il est temps de considérer le vote acheté comme une bêtise, mais c'est pas le mot. C'est pas sérieux. On vous achète votre voix. C'est votre personne qu'on achète. C'est humiliant. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas une femme. Parce que il faut voter. C'est le quantième loi. La toute première. Oui, oui. En âme et conscience. Vous savez, si je vote pour ce monsieur, eh bien, au Parlement, nous serons défendus. Si je vote pour un autre, eh bien, ça sera le silence. Monsieur l'abbé, allons-y. Eh bien, ce que je voudrais évoquer ici, j'estime que c'est très, très important, c'est que, avant les élections, nous observons particulièrement chez les candidats de part et d'autre, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui cherchent à accéder au pouvoir, il y a un sentiment dominant, c'est la peur. La peur de perdre le pouvoir pour les uns, la peur de ne pas accéder au pouvoir pour les autres, et cette peur a un dénominateur commun, c'est la peur de perdre la voix ou la peur de ne pas pouvoir accéder à la voix ou à la mangeoire qui est le symbole de la voix. Et ça, c'est un sérieux problème par rapport aux élections dans notre pays. Un sérieux problème par rapport au catéchisme du bon citoyen avant, pendant et après les élections. Et surtout avant, il faut exorciser cette peur. Mais pour exorciser cette peur, il faut que de part et d'autre, chez les candidats, on ait une notion exacte du pouvoir. Et ça, tout à l'heure, quand je suivais mon ami Modeste évoquer ce citoyen qui a distribué les voix à sa famille, aux uns et aux autres, souvent, c'est parce qu'on a reçu, on veut recevoir de tous les côtés. Mmh. On veut recevoir de tous les côtés. On veut manger de tous les côtés. Mmh. Ouais. Et alors, on vend, en quelque sorte, son vote. Et donc, nous revenons à une question cruciale, fondamentale, capitale, que nous avons déjà évoquée au cours de nos précédentes émissions. C'est la fameuse question de l'avoir ou l'être. Tant que les élections sont fondées sur l'avoir, nous n'aurons pas un résultat, je dirais, probant, hein, utile pour le développement de notre pays, le développement de notre nation. Donc, en définitive, il faut penser pays d'abord. Il faut penser pays et pas penser individu. Or, je disais à quelqu'un avec qui on échangeait aujourd'hui, et qui m'a posé le problème de la mobilisation des Congolais autour d'une cause commune, j'ai dit,
nous avons une sérieuse difficulté à mobiliser les Congolais, de quelque bord qu'ils soient, catholiques ou pas catholiques, chrétiens ou pas chrétiens, de les mobiliser autour d'une cause commune, et cette cause commune, c'est le Congo. Or, malheureusement, nous constatons que les Congolais se mobilisent derrière une personne, en oubliant que les personnes passent, mais le Congo reste. Aujourd'hui, disons hier, Mobutu était là, il est passé. Kassavubu était là, il est passé. Mobutu était là, il est passé. Laurent Désiré Kabila était là, il est passé. Joseph Kabila était là, il est passé. Félix Tshisekedi est là, il passera. Le Congo restera. Alors si on ne se mobilise pas autour du Congo, en se disant quel est le Congo que nous voulons bâtir, et en fonction du Congo que nous voulons bâtir, quels sont les types d'hommes, quel est le type d'homme, quel est le profil d'homme dont on a besoin pour bâtir ensemble ce Congo, pour conduire les travaux de construction de ce Congo. C'est ce qu'on appelle les leaders, c'est-à-dire ceux qui conduisent, n'est-ce pas, les conducteurs des travaux, n'est-ce pas. Eh bien, les élections servent à choisir des conducteurs des travaux. Très bien. Et ces conducteurs des travaux doivent être compétents. Ils doivent avoir des qualités humaines, doivent être honnêtes, vrais, n'est-ce pas, rassembleurs. Vous aurez la parole tout à l'heure pour compléter, vos dires. Professeur Mpoy, Kamoulaye. Ouais. OK. Bien, d'abord, je pense que les deux interlocuteurs ont mis le point sur ce qui est essentiel. Et pourquoi est-ce que l'anecdote de ce polygame qui a considéré que les voix de ces femmes lui appartiennent, et il a dicté comment ces voix devraient être. Mais ce que notre frère n'a pas, ou ce que ce mari polygame n'a pas pu établir, c'est que lorsque ces multiples femmes étaient chacune dans l'isoloir, elle était seule. Et donc ce mari polygame peut bien se prévaloir d'avoir ordonné, mais en suivant le commandement de bons citoyens et de bonnes citoyennes, il n'est pas exclu que les femmes n'aient pas suivi le dictat de leur mari. Et qu'elles aient voté pour... À leur âme et conscience. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que on est trop préoccupé par cet achat des votes. Et moi, je parle aux citoyens très ordinaires, très humbles. Et je pose la question. Je posais la question à l'élection passée, vous avez voté pour qui? Il y en a qui disent, j'ai voté pour Tshisekedi, j'ai voté pour Fayoulou. Ce sont les deux noms qui reviennent le plus. Et dit, cette élection, vous allez voter pour qui? Cette élection, je ne sais pas pour qui je vais voter. Je n'ai pas encore vu, en tout cas, ni l'un ni l'autre. Et alors, quelqu'un qui était avec moi a dit, mais s'il vous donne des t-shirts et cela. Il a dit, mais tout le monde peut me donner autant de t-shirts qu'il veut. Et je vais prendre, je ne vois pas pourquoi je ne prendrai pas. Mais je n'ai qu'une seule voix. Et donc, je donnerai cette voix à celui qui m'a donné les t-shirts parce que je les ai pris toutes ou tous. Je voterai en âme et conscience. Et nous parlons, et je pense que c'est le lieu ici de le dire, de focaliser un peu peut-être notre émission sur le vote, le seul vote qui compte. Et je pense que d'aucuns pourraient être surpris que je dise cela. Le seul vote qui compte, c'est le vote du président de la République. C'est la seule personne qui est votée au suffrage universel direct à travers l'ensemble de notre nation. Et vous remarquerez d'ailleurs, nous remarquons d'ailleurs déjà, que tous ces députés ou aspirants députés ne disent rien en ce qui les concerne. Vous voyez, l'affiche chacun est à le président qu'il porte sur le dos ou dont il promeut la vision. Quelle vision? On se pose la question.
Et donc, l'essentiel pour nous, ce n'est pas tant... C'est pour ça que j'ai dit, dans les milieux ruraux, où se trouve la majorité de nos concitoyens qui vont voter. Vous ne verrez pas des pancartes. Vous ne verrez pas tout le brouhaha auquel nous assistons dans les milieux urbains et principalement à Kinshasa. Et donc, ailleurs, et nous faisons beaucoup de mimétisme sur le système français. En France, les élections se font à deux tours, ce qui était le cas dans notre pays. On a évacué le deuxième tour pour des raisons que nous connaissons tous. Le trafic ou le les tripatouillages des résultats. Et indépendamment de cela, je reviens sur le système français, les élections présidentielles ne sont pas couplées avec les élections législatives. Pour la simple et bonne raison que la personne qui compte, c'est le président de la République, même si en France, ce n'est pas un système présidentiel pur et dur. Et donc, chez nous, la problématique dont, sur laquelle nous devrions nous concentrer davantage, à mon humble avis, c'est celui du choix de la seule personne qui compte dans notre pays, comme on a vu d'ailleurs, que chacun, on voit le jeu qui est en train de se passer maintenant, le regroupement des partis politiques de tous bords derrière un individu pour assurer le passage en résumé en force en conclusion, ou en force ou selon le consensus africain pour reprendre l'expression célèbre qui a été crachée au visage de notre président. Ça ne nous honore pas, ça n'honore personne. Et donc l'élection se joue, et l'élection la plus importante, c'est le scrutin présidentiel. Et là, nous devons sérieusement discuter, déjà c'est notre rôle, d'aller en profondeur sur les enjeux de cette élection. Et je pense que nous consacrerons un peu plus de temps là-dessus pour être bref. Merci. Alors, M. Bonigaba, il y a de la matière. Ah oui, il y a de la matière. Donc là, je crois qu'il y a des élections et il y a l'élection. Oui. Oui, peut-être que nous devrions effectivement nous attarder sur l'élection présidentielle parce que manifestement c'est là où tout se joue. Et nous qui pensons qu'il faut rompre avec le système léopoldien qui continue jusque maintenant, nous disons que cette élection devrait focaliser beaucoup plus d'attention. Parce que si nous voulons effectivement rompre avec le système léopoldien, il faut être sûr d'abord que tous ceux qui votent pour le président de la République sont conscients des enjeux mondiaux et des défis qu'il faut relever en tant que pays pour nous insérer de façon correcte dans le concert des nations. Or, malheureusement, on n'y est pas encore. Comme l'abbé l'a dit, la cause qui devrait nous mobiliser tous, c'est le Congo. Quel Congo nous voulons, nous qui sommes en train de partir déjà, parce qu'à l'âge où nous sommes, quel Congo nous voulons laisser à nos enfants? Est-ce que nous allons laisser le Congo toujours patrimoine léopoldien, qui nous échappe complètement, où les décisions se prennent ailleurs, ou bien nous allons nous battre pour que le Congo que nous allons laisser à nos enfants soit effectivement porté par eux-mêmes et qu'ils sentent que c'est effectivement eux qui le portent sur leurs épaules, de sorte que celui qui serait à la tête ne soit pas coupé de ceux qui le portent.
Parce que ceux qui le portent doivent être comme lui, des gens qui saisissent correctement les enjeux mondiaux par rapport au Congo et donc les défis que les Congolais doivent relever pour que ce pays devienne et demeure la propriété des Congolais. C'est un énorme défi que nous devons relever. Ce n'est pas avec ce qui se passe maintenant qu'on va y arriver. Très bien. Manifestement. Mais, monsieur l'abbé, vous aviez envie de dire quelque chose, il ne faut pas que je vous coupe. Oui, j'ai envie de renforcer ce que mon ami Modeste vient de dire, parce que lorsque nous parlons des élections dans ce pays, élections par-ci, élections par-là, élections ici, élections là, est-ce que, et puis, tout à l'heure, lorsque le professeur a évoqué l'importance de l'élection présidentielle, l'élection présidentielle est importante pour qui? Pour qui? Lorsque nous savons que partout ailleurs, on commence toujours par la base, par les élections hein, en bas, c'est-à-dire locales, municipales, et c'est... Et regardez même dans l'histoire de certains pays comme la France, un gars comme Mitterrand, un gars comme Jacques Chirac, avant de devenir président, Sarkozy et d'autres, ils ont commencé par être élus à la base. Maire de... Être élu à la base, maire de, ici on dira bourgmestre, un peu comme Cassavou, le premier président qu'on a eu, eh bien, il a été élu comme bourgmestre de la commune de Dendal, qui aujourd'hui porte son nom, la commune de Cassavou, n'est-ce pas? Nous avons quitté cet ordre des choses, n'est-ce pas? Et nous nous sommes focalisés sur l'élection présidentielle, mais en réalité... Disons les choses en toute vérité, cette élection présidentielle intéresse davantage ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde et ceux qui se considèrent comme étant les propriétaires du Congo, n'est-ce pas? Et qui mettent à la tête du pays, de leur territoire, de leur parcelle, de leur propriété, le capital qu'ils veulent, n'est-ce pas? Le capital qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et ça, c'est un problème réel sur lequel nous devrions nous pencher à fond, n'est-ce pas? Oui, parce que... c'est la question que je voulais vous poser. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que nous avons lu sur la toile, un hindou qui disait « il faut que l'Afrique continue à s'enfoncer, si l'Afrique ne s'enfonce pas, il y aura une guerre ». Vous avez suivi ça, professeur? Mais alors, je constate que je ne vous ai pas transmis ma réaction parce que j'ai reçu ça sur une plateforme de professeurs d'université. Je réagis immédiatement en disant, mais comment est-ce que nous pouvons nous laisser entraîner dans ce genre de réflexion? Parce que n'importe quel blanc-bec comme met sur la toile quelque chose, nous prenons ça pour de l'argent comptant. J'ai eu le... énorme privilège de travailler pour la Banque mondiale pendant 28 ans. J'ai été le président de la Société des fonctionnaires africains de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Vous n'en parlez pas beaucoup. Hein. Parce que, pourquoi dois-je en parler? Ici, je le cite spécifiquement parce qu'il s'agit de cette lubie qui circule sur la toile où il y aurait ce complot. Nous aimons bien revenir ça. Que les Blancs se sont organisés, ils ont déterminé une fois pour toutes que l'Afrique doit demeurer ce qu'elle est au bas de l'échelle. J'ai été à la Banque mondiale. Nous avons lutté quand je suis entré à la Banque mondiale, le nombre de dirigeants africains au plus haut sommet était égal à 1. Il y avait le seul vice-président qui était le secrétaire général, si on peut ainsi dire, de la Banque mondiale. Et nous nous sommes battus pour que les Africains accèdent à tous les postes de direction et de commandement, si on peut utiliser le terme. Au jour où je vous parle, le directeur de IAU, déjà par le passé, directeur général, Madame Okonjo, du Nigeria. Elle a été le directeur général de la Banque mondiale.
Il y a eu aujourd'hui, il y a plusieurs vice-présidents, notamment ceux qui, sur la région Afrique, les deux vice-présidents, l'un est mauritanien, l'autre est ghanéen. Et le président, le vice-président du service du personnel est un Africain. Pour dire quoi tout ça? Pour dire que ce qu'on raconte, c'est de l'énorme, comment est-ce que j'ai, mystification. Dans notre propre pays, ici, on peut savoir que depuis déjà combien d'années, depuis le départ de M. Honoroul, tous les directeurs qui sont de la Banque mondiale pour le Congo, pour le Congo, sont des Africains, tous, jusqu'à celui qui est ici aujourd'hui. Conclusion? Conclusion, c'est qu'il est impensable de dire que tous ces Africains sont des niais, que ce sont des pantins qui sont là pour exécuter un complot international ourdi par les Blancs pour maintenir l'Afrique dans une situation de dépendance. C'est insulter notre intelligence collective et c'est totalement contraire à la réalité. Mais vous contredisez à peu près ce que vient de dire M. Labbé. Mais c'est la réalité. Moi je peux vous donner un exemple. Je travaille avec le président Mobutu. Je fais le résumé de l'information de matin. Et puis, il me dit, va voir, vous allez faire un communiqué pour féliciter le président Bongo. Je lui dis, mais monsieur le président, la proclamation des élections, c'est pour après-demain. Alors, il dit, mais comment? Mais pourquoi mes amis français me disent... Parce qu'à l'époque, Bongo, Omar Bongo et lui, ça ne marchait pas très bien. Il me dit, alors pourquoi? Je dis non, la proclamation, c'est pour après-demain. C'est pour vous dire que... Non, la vérité qui sont là, malheureusement. Non. Je peux vous citer d'autres exemples. Permettez. Mais je vous invite à faire en sorte que nous puissions combattre cet esprit. Non, mais vous aurez raison. Même l'esprit, vous pouvez vous affirmer. Moi, j'ai été conseiller juridique principal et malheureusement, jusqu'à ce jour, je suis le seul Congolais à avoir été conseiller juridique à la Banque mondiale. Je ne parle pas de consultant, je parle d'eux. Il n'y a pas un conseiller juridique qui voit tous les dossiers. Tous. Je participais aux réunions stratégiques où on examine les projets. Mais c'est une notion. Je vous dis, j'ai été dans la maison. Et je vous dis qu'il n'y a rien de plus faux. Et c'est nous qui nous maintenons, qui créons. Est-il vrai que oui, quand nous sommes entrés, je suis parmi ceux qui ont été parmi les premiers Africains. Les premiers Africains commencent à entrer à la Banque mondiale, le tout premier en 69. Une petite cohorte en 72. Et puis ensuite, moi je suis rentré à la Banque mondiale en 84. Il n'était pas facile, et il n'est toujours pas facile aujourd'hui, d'entrer à la Banque mondiale. Mais... lorsque vous entrez à la Banque mondiale et lorsque nous avons lutté, je vous parle de ce que nous avons fait. Oui, moi quand j'ai été recruté à la Banque mondiale, la première lettre que j'ai reçue était une lettre de rejet. Parce que il disait, non, vous ne connaissez pas suffisamment l'anglais, parce qu'on travaille. La seule langue de travail, c'est l'anglais. Non. Vous n'avez pas étudié un droit américain. Vous ne savez, votre expérience est courte. Très bien. Oui. Et nous nous sommes battus pour que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez à la Banque mondiale, quand je suis rentré à la Banque mondiale, à la table des négociations, vous aviez, pour les pays africains, tous de l'autre côté de la table, ils étaient tous noirs, plus deux ou trois blancs, des conseillers. À la table qui représentait la Banque mondiale, ils étaient tous blancs, j'étais seul. Très bien. Monsieur l'abbé, monsieur l'évêque, ne m'enlevez pas la parole. Ce débat-là, qu'est-ce que vous dites? Départager les...
Départagez-nous. Disons que le... Il y a un effort à faire. On ne peut pas ne pas... être scandalisé. Se rendre compte, parce que justement, c'est Kofi Annan, Kofi Annan lui-même, secrétaire général des Nations Unies, qui nous dit que l'Afrique se meurt par la faute de ses dirigeants. N'est-ce pas? Le leadership, parce que c'est un peu ce que vous veniez d'évoquer, parce que quand on dit bon, Bongo et tout ça, hein, le leadership africain n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est ce que Kofi Annan voulait dire. Parce que on voit comment ils arrivent au pouvoir. On voit comment ils sont malmenés. D'autres sont évincés parce qu'ils ont osé pour dire une fois ils ont osé dire cette fois-ci ça je n'accepte pas. Ah bon? Ben le lendemain tu es viré. Quand donc, on rompt la communication avec Albright, on est condamné à mort. Donc ça tout le monde voit ça. Donc ça veut dire que l'Afrique ne s'appartient pas. Elle est malade de ses dirigeants. Elle est malade de ses dirigeants. Ça saute aux yeux. La dame là, qui Aminata Traoré, qui est, je crois, malienne, qui disait, mais c'est pour ça qu'ils s'intéressent surtout à l'élection présidentielle. Effectivement, elle dit, voilà, eux, ce qui les intéresse, c'est l'élection présidentielle. Parce qu'une fois que vous êtes élu, on vous appelle à côté, on vous dit, bon, ça, tu ne touches pas. Oh, mais moi, j'avais dit que, à mon peuple... Hein, le peuple d'abord, comment je vais faire maintenant pour continuer à faire semblant que j'ai beaucoup de certaines peuple. Expressions. Ouais. Oui, c'est ça. Mais on sent qu'il y a cette difficulté à honorer les engagements pris par rapport à ce que maintenant on est obligé de faire pour être dans les bonnes grâces de ceux qui dirigent le monde. Ceux qui vous ont légitimé. Parce que la légitimité aussi, malheureusement, est extérieur. C'est pour ça que quand Bongo est élu, ou disons, les élections se sont passées, on le félicite déjà avant même qu'on proclame. Parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, ce sera comme ça. Donc, cette façon-là de faire les choses fait que l'Afrique, manifestement, a de vrais problèmes. Monsieur l'abbé, ben, je voudrais illustrer ce que Modeste vient de dire par un fait vécu, rapporté dans le livre, le tout récent livre de Charles Onana, Holocauste au Congo. Et j'ai tellement été impressionné par ce passage où on relate ce que le Mzé Laurent Désiré Kabila a vécu en Europe, en Belgique. Il y arrive avec un de ses conseillers, et ce conseiller, sachant que tout peut arriver au président, ayant peur qu'il lui arrive quelque chose, c'était en période d'hiver, n'est-ce pas? Eh bien, il prend le manteau, hein, du président et il le garde avec lui. Mais le protocole qui dit non, donnez-nous le manteau, nous allons le mettre là où il faut, hein, le mettre. Il dit non, pas question, je ne peux pas vous remettre le manteau du président. Pourquoi? Parce qu'il craignait qu'on puisse mettre, un produit quelconque qui peut empoisonner le président. Et le président Laurent Désiré Kabila a suivi cette scène de loin, n'est-ce pas? Et quand il a terminé son entretien avec les autorités qu'il recevait, eh bien, il s'adresse à son conseiller qui lui amène le manteau. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec cette... quelle est cette guéguerre que tu as eue avec les autres concernant mon manteau? Alors il explique au président, voilà, je voulais, parce que je craignais, tout ça. Et Laurent Désiré lui dit, mais t'as rien compris, toi. T'as rien compris. Est-ce que tu crois que j'ai encore 4 ans à vivre? J'ai encore longtemps à vivre, moi. Ce qu'il me demande, je refuse de le donner. Parce que mon pays n'est pas à vendre et moi-même, je ne suis pas à vendre. Et donc, ne t'étonne pas qu'on me tue.
je suis déjà mort, moi, comme je suis là. Et ce passage du livre d'Onana, je l'ai recopié et je l'ai mis dans les réseaux, ici, et je l'ai envoyé aux différents hommes politiques que je connais pour que ça puisse donner une leçon à ceux qui nous dirigent pour dire que, quelque part, lorsque les maître, entre guillemets, je mets ça toujours entre guillemets. Mais disons les blancs, oui, comme ça. Oui. Non, ils se considèrent, j'ai dit maître entre guillemets. Oui. Parce que les blancs, ils se considèrent comme nos maîtres. Ça, il faut le dire. On ne peut pas nier l'évidence. Ils se considèrent comme nos maîtres. Rien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu lis dans les journaux, tu apprends à la télé, tu apprends ici et là. Alors, les Américains ont dit que, l'ambassadeur des États-Unis a dit que pour les élections, l'Union européenne a dit que pour les élections. Eh bien, moi, j'ai dit une fois à l'ambassadeur de Belgique, à l'époque de Mobutu, il avait convoqué tous les responsables de la société civile, des organisations de la société civile. Il nous a convoqués pour qu'on parle de nos élections de notre pays et tout et tout. J'ai dit à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, je suis désolé, mais j'ai vécu en Belgique pendant autant d'années, je n'ai jamais vu l'ambassadeur du Zaïre convoquer les Belges pour leur demander leur avis sur ce qui se passait en Belgique. N'est-ce pas? J'ai jamais vu ça. Alors moi, je crois qu'il y a quand même quelque part une prise de conscience que nous devons faire que la conquête de notre souveraineté est prioritaire par rapport aux élections. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Je vais donner la parole au professeur. Mais si déjà ils nous font peur comme ça, il y a un effort à faire. Parce que Laurent-Désiré Kabila, effectivement, il avait même dit au Conseil des ministres, ils ont dit qu'ils allaient me tuer, mais je vis encore. Mais ils ont fini par me tuer. Professeur, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous ne contestez pas ce... Non, mais je dis que je suis... peut-être en mal. Amérique. Non, pas trop. J'allais dire que je suis peut-être le seul sur ce plateau à avoir vécu avec les Blancs, avoir travaillé avec les Blancs pendant je ne sais combien d'années. Je suis parti de ce pays il y a 40. Bon, les ans. Années. Non, c'est pour vous, le dire que... vous les connaissez mieux rien, que nous. Il n'y a rien, et je le dis ici très publiquement, il n'y a rien de plus faux. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Le Zimbabwe. Mugabe a traîné les Zimbabwéens. Et les Zimbabwéens, quand il est arrivé au pouvoir après une lutte féroce contre les Blancs, le Zimbabwe était devenu, comme le Congo, le pays le plus pauvre. Je n'ai pas entendu que les Zimbabwéens blâmaient les Blancs et qu'ils sont allés vers les Blancs pour leur demander de venir les débarrasser de Mugabe. On a parlé de nous et cet esprit est très répandu parmi nous, les pays francophones. J'ai été à la Banque mondiale, nous avons négocié à l'époque de l'ajustement structurel. Quand on parlait de ces... Nos chefs d'État, c'est eux qui venaient dire, nous ne pouvons pas faire ça parce que notre peuple souffre. Non, pas parce qu'il souffre. Parce que, attendez, j'étais là-dedans. Parce que pourquoi est-ce qu'on disait, faites ceci, faites cela, faites cela? Parce que quand vous faites tourner votre planche à billets, quand vos politiques sont destructrices de ce qu'ils devraient être. Et on dit, si on revient pour dire non, nous allons faire ça pas parce que nous y croyons, mais parce que la Banque mondiale et le Fonds monétaire nous imposent de le faire. Les pays asiatiques qui ont suivi, et le plus grand d'entre eux aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine a été... emprunteuse de la Banque mondiale. La Chine a suivi et quand ils ont commencé à vouloir s'ouvrir sur le monde, ils ont eu des projets, on dirait dictés par la Banque mondiale comme nous aimons dire, mais ils le comprenaient eux-mêmes. Les pays qu'on appelle les dragons,
En anglais, il parle de tigers. Les tigres, si on peut traduire littéralement. Les pays comme le Singapour, les pays comme la Malaisie, tous ces pays ont suivi les programmes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale et ils ne se sont pas plaints en disant « Non, nous, vous nous imposez. » Oui. Donc, ce que je veux dire, oui. Il n'y a rien de plus faux parce que ce sont nos propres présidents qui commencent par nous dire. Et eux tous, ils disent « Ah non, moi je suis... » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? C'est bien beau de parler de ça. Oui, Obama, qu'est-ce que nous devrions mais faire? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. D'abord, le président Obama, il nous a dit, s'il n'était pas blanc, s'il était blanc, on aurait dit ça. C'est vous. Nous, on ne va rien faire. C'est vous qui devez faire cela. Les pays africains qui suivent, regardez les pays comme l'Angola voisine, l'Afrique du Sud, le Botswana, tous ces pays, pourquoi est-ce que les blancs ne seraient opposés et ne voudraient le mal que des Africains francophones et voudraient le bien de tous les autres noirs? Il y a une antinomie. Et je vous invite, je le fais avec mes étudiants, et je dis, regardez les exemples de ce qui marche, et nous devons sortir de cette colonisation mentale que nous nous imposons nous-mêmes, et que nous essayons, et que nous cherchons par un raisonnement logique à valider. Il n'y a rien de valable dans cela, et les exemples concrets existent pour montrer que... Que devons-nous faire? Vous avez bien posé la question. En deux mots. En deux mots, c'est ceci. Nous décoloniser nous-mêmes mentalement. On revient à Mabika Kalanda. Oui, en fait, je crois que effectivement, le prof Mpoy peut... avoir en partie raison. Avoir en partie raison. Parce qu'en dehors de la banque, du système de la Banque mondiale, il y a la France-Afrique. Et en ce qui concerne les pays francophones, les anciennes colonies françaises, il y a ce système-là qui, en quelque sorte, s'ajoute au macro-système mondial et, en quelque sorte, la France fait la sous-traitance de l'Afrique francophone pour le compte de l'ensemble. Et à ce moment-là, effectivement, quelqu'un qui est à la Banque mondiale ne voit pas cette ingérence ou cette influence néfaste de l'ancien colonisateur français vis-à-vis de ses anciennes colonies africaines. Donc, il peut avoir raison de ce point de vue-là, mais la réalité est que... Ce que nous vivons, en tout cas l'Afrique francophone, est effectivement sous la coupe de cette France-Afrique qui a... Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits et beaucoup de témoignages qui montrent que ce système-là, regardez comment on est en train de chercher à relancer Bongo Fils, qui est complètement inapte. Mais on ne veut pas le remplacer parce qu'il est toujours utile pour eux, etc. Il faut qu'il reste. Alors, ne pas voir ça, à ce moment-là, on peut se demander, mais comment on ne voit pas? Permettez que je réagisse. Attendez, vous aurez la parole en dernier, comme ça vous avez raison. Moi, je vous partage de vous dire, parce que des pays anglophones, effectivement, oui, monsieur l'abbé, José Pierre. Eh bien, je voudrais tout simplement me poser une question. Les institutions financières internationales dont font partie la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Je me pose cette question parce que j'ai eu à en discuter avec certains hauts responsables de ce pays, ministres de finances et autres, hautes personnalités. Et j'ai observé moi-même, j'ai vu comment Laurent Désiré Kabila a agi, n'est-ce pas, après Mobutu, n'est-ce pas, comment il n'a pas fonctionné sous le dictat de ces institutions financières internationales. Et je me pose la question de savoir, est-ce que notre avenir, notre développement,
notre bien-être peut-il être assuré par ces institutions financières internationales? La réponse, vous la donnez, c'est quoi? Non. La réponse est non. La réponse est non. Alors, je me dis, oui. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Il n'a pas eu ce rapport aussi dépendant avec les IFI, n'est-ce pas? Il part, on le tue, et celui qui revient, qui vient après lui, qui lui succède, eh bien, il reprend des programmes avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, et aujourd'hui, c'est encore pire, n'est-ce pas? Et on s'en félicite lorsque on reçoit de la Banque mondiale, on reçoit des fonds monétaires, on oui, s'en félicite. C'est l'actualité. Moi, je me dis tout simplement que cette décolonisation mentale devrait avoir des conséquences dans ce genre de choix par rapport à ceux avec qui nous devons travailler, ceux avec qui nous devons faire un partenariat oui, et pas ceux qui nous maintiennent dans cette colonisation économique et économiquement, nous sommes dépendants, nous sommes colonisés, comme le pape l'a dit, nous sommes dans une colonisation économique, néocolonialisme économique, nous n'en parlons pas suffisamment. Merci. Et les acteurs de cette néocolonisation, nous les épargnons. Merci. Vous savez, dans un débat, il faut qu'il y ait contradiction. Absolument. Alors, allô-y. Ah bon, il n'y a pas plus amoureux de la contradiction que moi. Alors, si mon... Et c'est vous qui allez conclure, hein, donc résumez-vous, il nous reste 3 minutes. Il nous reste plus que 3 minutes, c'est un peu injuste. Hein, après... Il y aura une suite. Mais je voudrais dire que mon vieux frère qui me accuse de cécité, il a dit, il faut ne pas voir ce qui est évident. J'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé sur le Sénégal, j'ai travaillé sur le Mali, sur la Mauritanie, sur le Togo, sur le Bénin, et j'en passe. J'ai travaillé aussi sur la Tunisie, j'ai travaillé sur l'Égypte. Non, non, mon frère. Et d'ailleurs, si on doit suivre ce que vous dites, ce que nous, les intellectuels francophones, aimons dire de cette France-Afrique, mais nous allons nous en sortir comment? Avec des jérémiades? Tout ce que nous entendons, ce sont des jérémiades. Nous devons dénoncer par le verbe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trop facile. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, parlons de ceux qui ont... Parce qu'on donne, des faits comme si c'était des évidences. Mais vous savez que Fidel Castro, combien de fois est-ce que les Américains ont tenté? Ils l'acceptent même, ça c'est un fait. Ils ne sont pas arrivés à le tuer. Il est mort de sa belle mort. Non, l'heure est venue pour nous de remettre en cause cette théorie. Ce n'est pas la France qui est notre problème. C'est nous-mêmes qui sommes le problème. Tant que nous continuons à nous donner ce que mon frère aime et répète à satiété, les chances ne sont pas là. C'est nous, ce ne sont pas les Français qui nous imposent les chances et le copamba, ce ne sont pas les Américains. Et cette croyance que nous continuons à avoir, que non, s'il y a un vrai nationaliste qui veut nous diriger, eh bien les Français et les Américains vont... C'est une vue de l'esprit, parce que cela va décourager tous les vrais nationalistes de se dire « Non, je veux être candidat ici, parce que si je veux être candidat, le lendemain, les Français vont me descendre. » Non, 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 non. Je pense, parce que vous m'avez donné le privilège de conclure, que nous devons changer de fusil d'épaule. Nous devons comprendre que, lorsque nous avons demandé l'indépendance immédiate en 1960. Alors que les Belges nous ont dit nous ne vous avons pas préparé à vous. Ils nous ont donné 30 ans. Alors, nous avons dit non, nous sommes prêts. Maintenant, en constatant, nous devons constater que nous n'étions pas prêts et que nous ne sommes pas prêts. Nous disons non. Non, pas prêts.
si nous continuons sans la décolonisation mentale sur laquelle nous nous sommes tous accordés, si nous ne faisons pas cette remise en question fondamentale, que la cause de notre misère, ce n'est pas le blanc. Et je conclurai en disant que un Congo développé sera plus profitable ou tout aussi profitable aux Congolais qu'à tous les Occidentaux. Parce que pour développer le Congo, nous aurons besoin de quoi? Pour faire les routes, nous avons besoin de quoi? Et si nous faisons des routes, c'est pour que les voitures et les camions qui circulent viennent d'où? Si le Congo devient la plaque tournante de l'Afrique, les avions viendront d'où? Non, nous devons nous réveiller et nous devons nous décoloniser mentalement en commençant par accepter une fois pour toutes que notre ennemi, ce n'est pas l'homme blanc. Qu'il n'y a pas de complot pour balkaniser le Congo, n'en déplaise à ceux qui l'affirment. Moi, j'ai des exemples à l'appui. Non, des exemples ne signifient... Une même réalité, vous pouvez la voir comme ce verre, on peut le voir comme étant à demi-vide ou à demi-rempli. Et les... je conclurai en disant, on a soulevé aujourd'hui un pan. Ce n'est qu'un pan. C'est une conversation que nous devons poursuivre sur ce plateau. Et nous devons en prendre, parce qu'aujourd'hui, il s'agissait de parler du catéchisme. Du bon citoyen. Et nous sommes vraiment... Et que ce bon citoyen doit savoir que le pays président qu'on devra élire le 20 décembre, si nous nous accordons pour trouver ce bon président, eh bien, les Belges, les Français, les Américains, personne ne nous empêchera de décoller. D'avoir ce président. Et si on le tue, eh bien, il faudrait qu'il y ait un autre. N'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur de braver ce que nous pensons imaginairement. Et je dis bien le mot imaginairement comme étant plus fort que nous, parce que s'ils sont plus forts que nous, alors la conclusion, c'est que nous ne ferons jamais rien. D'accord. Eh bien... juste une seconde. Monsieur l'abbé, une seconde. Mais en tout bon, toute amitié, hein, nous sommes des amis. Hein. D'une seconde pour dire qu'effectivement, il faut mettre en place une nouvelle organisation qui permette que cela soit possible, que les élections ne soient plus une sorte de folklore, que ce soit effectivement... le moment où ceux qui ont conscience des enjeux du monde, comme je l'ai dit dès le départ, puissent, en fonction de ce qu'il vient de dire, choisir un leadership, parce que leadership c'est toute une pyramide, un leadership qui est tellement soudé que même si on coupe la tête, celle qui surgit sera encore peut-être plus dangereuse que celle qu'on aura coupée. Merci. Mon père... Juste en tout bon, toute amitié. Hein. Juste très bien. Deux choses. Vous allez passer en profession. La première chose, c'est que nous avons besoin d'un leadership de libération. Ah, d'accord. Si nous parlons de décolonisation, eh bien, ceux qui doivent nous conduire sur le chemin de libération. Libération politique, libération économique, libération culturelle. Et de deux, je crois que nous avons besoin d'un leadership d'équipe, collectif, de telle sorte que nous puissions avoir, je dirais, une sorte de hydre. L'hydre, c'est un animal qui a des tentacules, qui a plusieurs têtes. Lorsqu'on coupe une des têtes, les autres têtes continuent à fonctionner et à faire vivre l'hydre. Eh bien, aujourd'hui, nous avons besoin d'un leadership qui soit un leadership de libération et pas d'abord un leadership de gouvernement. Nous avons besoin d'un leadership à la manière de Moïse et d'Aaron, ça veut dire un leadership de libération et qui est exercé en équipe comme Moïse a fait équipe avec Aaron. Cette émission est terminée. Cette émission est terminée. Moi, je pense que ce sera parmi les meilleures émissions. Ça, c'est mon point de vue. Et vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous en pensez? Allez.
dans 15 jours. Merci. Au revoir.